Eh bien, salut à tous, c'est Benkog et bienvenue pour l'épisode 18 de notre Let's Play sur Planet Coaster. Et entre-temps, on a fait des petits changements que je vais vous faire voir. Donc, dans le dernier épisode, on a fait ce moulin qui vous a plutôt plu, ainsi que l'écurie. Et entre les deux épisodes, j'ai commencé un peu à décorer. J'ai vraiment voulu boiser tout le tour pour pas que les visiteurs voient trop non plus d'attractions. Et je vais mettre pause. Et j'ai fait cette petite pancarte pour mettre le nom de l'attraction, que j'ai pas encore de nom. Donc n'hésitez pas à trouver des noms de l'attraction. Hein, je rappelle un peu la story. Donc ici on a une ferme. Et on va se balader un peu dans la campagne en fait. Avec notre petit camp ici, notre petit truc de tir à l'arc juste ici. Là, je vais vous en parler juste après d'ici. Et après, voilà, on fait notre petit tour et on arrive dans l'écurie. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai bien, vraiment bien boisé. J'ai aussi tout changé ici. Ça rend un peu mieux, hein, ça. Bon, ah, attendez, là, je vais juste le modifier. Hop, voilà. Donc, ça rend un peu mieux. J'ai fait comme si on entrait un petit peu dans une petite grotte. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel, mais... C'est surtout beaucoup beaucoup de végétation que j'ai ajouté. Alors ici je sais pas encore quoi mettre et ici non plus. Donc si vous avez des idées je suis preneur. Il nous restera le pont. Donc voilà. Ah et aussi j'ai fait ça que vous avez pas vu. Je me suis dit tiens on m'avait parlé de mettre une entrée au moulin. Donc j'arrivais pas à la mettre ici. Ce, vous voyez hein, j'ai mis une fondation un peu plus large. Ça rend pas bien. Du coup je me suis dit tiens. Je vais mettre une issue de secours en fait. Le moulin, bah, ça sera une, on passera par le moulin hein, si jamais l'attraction viendra se bloquer. Et on passerait sur ce petit chemin ici. On peut imaginer qu'il a. Voilà, on descend dans le moulin et j'ai mis la petite porte ici. Voilà, on arriverait derrière Monsieur Frites. Donc bon, je sais pas si c'est très réaliste, hein, mais bon, je me suis dit tiens, pourquoi pas s'habiller un peu, c'est ça fait un peu le taf. Donc moi ce que je voulais vous parler, eh bien aujourd'hui on va s'attaquer au monastère, ou monastère, abbaye, je sais pas encore. Et je me suis dit, tiens, j'ai fait une petite place ici, je me suis dit si je le faisais ici, comme ça, eh bien ça servirait d'élément de décor pour nos tacos. Et il serait aussi collé à notre coaster. Donc bon il va pas aller jusqu'en haut, hein, je vais pas faire un truc aussi haut. Mais je me dis, tiens, pourquoi pas le faire juste ici, ça peut être pas mal. Sinon, j'ai rien d'autre particulier à vous faire voir, hein, où j'ai mis des bancs, j'ai mis des conseils à mettre des lampes. Rien de bien, bien important à faire voir pour l'instant. Ne vous inquiétez pas, je ferai le parcours enfin, je ferai un on-ride vraiment quand l'attraction sera terminée, mais comme vous pouvez le voir, elle commence vraiment on voir le bout, hein. Il reste quelques petites zones quoi. Il en reste une, deux, le pont ça fait trois, celle-ci, puis là je sais pas, là, ce sera de la végétation et on aura notre arène aussi de joute juste ici. J'ai pas envie de trop empiéter par là, donc bah voilà, j'ai plus grand chose à dire. On va s'attaquer à un très gros morceau, monastère ou abbaye, je sais pas encore ce que je vais faire. Enfin, normalement, dans l'histoire, c'est un monastère, donc on va voir. Donc, moi je me mets au boulot et je vous dis à tout de suite.
Donc voilà un peu ce que ça donne notre monastère. Bon, c'est, je me suis inspiré d'une abbaye, ça s'appelle l'abbaye de Maria Lach. Il me semble qu'elle se trouve en Allemagne, à côté de Francfort. Donc je vous fais voir la photo, voilà à quoi ça ressemble. Donc bon, c'est assez ressemblant. Je me suis juste inspiré, hein. J'ai pas fait exactement une reproduction parfaite, je voulais faire aussi à ma sauce. Et je trouve franchement que ça rend très bien. Peut-être que je la reculerai un peu. C'est peut-être à peu près des tacos pour faire une mini place devant. À voir par la suite. Bon, elle n'est pas encore terminée parce que, comme vous avez pu le voir, c'est très très long et assez galère. Je me suis lancé dans un truc assez complexe. Je pense que je finirai hors vidéo. Bon, on a déjà la façade, c'est le plus important. Après, l'arrière, bon, je vais être obligé de décorer parce que, vu qu'on les visiteurs vont être ici, on va voir. On va voir vraiment l'abbaye de partout, ou le monastère plutôt. Et on le verra aussi du coaster. Bon, on le verra. Ça passera très vite. Hein. C'est pour ça que j'ai préféré le faire le long des tacos. Moi, les tacos, on a vraiment le temps de l'admirer. Et puis quand on arrivera sur ce pont, ben, on aura une petite vue sympathique sur ce monastère. On va l'appeler le monastère. Pas le monastère Fromont, le monastère de l'histoire de Mélisandre. Dans les épisodes précédents, je vous invite à le regarder. C'est l'histoire de ce château. Alors, j'ai une petite proposition. Est-ce que vous, parce que dans l'histoire, en fait, ils mettent le feu au monastère. Est-ce que vous voulez que je mette des effets un peu de feu on peut imaginer qu'ils soient en feu. Je trouve que ça pourrait être pas mal. Alors, soit en déclencheur ou soit tout le temps, en fait, Après, pas non plus énormément de feu, hein, vraiment dans les toitures, par exemple, faire un peu de flamme, un peu de fumée, sans non plus abuser dans les effets. Je sais que ça pompe en ressources. Bon, là, pour l'instant, c'est toujours fluide, mon parc. Il me semble, je crois que j'avais regardé, j'étais à 50 000, 53 000 pièces, un truc comme ça. Donc, juste pour vous donner une idée, notre monastère, là, il représente déjà 2533 pièces. C'est énorme. C'est énorme. Plus ça, donc on sera 2536. Et c'est vraiment gros comme bâtiment, mais bon. Ah, attendez, la sauvegarde, bon, qui fait un peu laguer. On va attendre qu'elle passe. Voilà. Et pour terminer cette vidéo, alors je vais peut-être commencer le pont, je sais pas. Mais ça va être un accéléré assez court, je pense. J'ai plus trop de temps là. On verra. Et de toute façon, il n'y a pas de gros bâtiment de prévu du coup par ici. Donc, je pense qu'on va s'attaquer aux deux ponts là. Ça sera déjà pas mal. Et toute cette partie là. Donc, j'ai plus grand chose à dire. Donc, moi, je vous dis à tout de suite.
Bon voilà, j'ai terminé le pont, donc voilà un peu ce que ça donne. Je l'ai fait en pierre. J'ai essayé de faire un pont qui ressemble à un pont en pierre. Je le trouve plutôt pas trop mal. Même l'intérieur, ça va, ça choque pas. Bon, je vais pas non plus remplir de détails l'intérieur, mais bon, je trouve que ça fait le taf. Ensuite, là, j'ai posé les petites statues là avec les chevaux, donc je savais pas trop quoi mettre. Je trouvais que ça faisait pas mal. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez de ça. Ça rentre dans le thème, je trouve. Et du coup, toute cette partie-là, bah, est pratiquement terminée, on peut dire à 95%. Et aussi, j'ai fait ce pont-là, je voulais faire un pont en bois. Bon, c'est vrai qu'il n'est pas centré par rapport au chemin. Il faudrait peut-être que je rajoute un truc ici, à voir. Peut-être aussi le baisser un petit peu, mais bon, après, c'est juste un petit pont comme ça en bois. Rien de bien compliqué. J'ai ajouté aussi une place. J'ai un peu reculé le monastère. Il était un peu trop proche. Là déjà, ça fait un peu plus place de monastère. Donc il faudra toujours que je le finisse. Là, j'ai toujours pas terminé ce monastère. Ça sera pour le prochain épisode. Je pense qu'il sera terminé à 100%. Donc voilà tout ce que j'ai fait dans cet accéléré. Donc notre taco là il commence à vraiment se terminer. Il ne restera plus que ici et ici. Donc j'ai pas encore d'idée de ce que je vais mettre. Alors, soit de la végétation, mais bon, ça serait dommage. Et il restera aussi les intérieurs, l'intérieur de la station à faire. Et après, il sera terminé. Donc il restera ici à mettre notre arène de joute. J'essaie de la caser ici. Et une fois que ça sera fait, bah, nos deux zones là, sont pratiquement terminées. Donc on va se rapprocher de plus en plus de l'ouverture du parc. Et on n'a toujours pas de nom pour le parc, donc n'hésitez pas à trouver un nom pour le parc. Parce que moi j'ai pas encore d'idée du tout. Donc ce qui restera terminé, donc il nous restera ici. Notre zone backstage ici. Avec un accès que j'avais dit un accès pour les poids lourds ici. Il nous restera ici à décorer. Ici et ici, notre fameux port romain. Vous inquiétez pas, j'y pense toujours. Va continuer notre port ici qu'on avait commencé, mais faire un port un peu plus gros. Et puis voilà, une fois que ça sera terminé, ça sera l'heure d'ouvrir le parc. Je pense que je ferai un épisode dédié à l'ouverture du parc. On fera ça ensemble, on verra un peu comment les visiteurs se comportent, ce qui manque, ce qu'il faut. Il y a juste ici, je pense qu'il faudra rajouter des toilettes. Je viens de me rendre compte que les toilettes les plus proches sont très loin. Je sais même plus si j'en ai mis ici. Non, je crois même pas. Donc il va vraiment falloir que je mette des toilettes. Hein. Il va vraiment falloir que je mette des toilettes. Au pire des cas, j'essaierai d'en intégrer une ici. Et aussi des bâtiments pour les employés. Je crois que j'en ai mis un là-bas, c'est tout. Mais bon, il y a la zone backstage pour ça, on pourra en mettre ici aussi. Donc voilà pour cet épisode. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker si vous avez aimé. Et n'oubliez pas de vous abonner pour suivre mes prochains épisodes. Donc moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!